Ouais, salut les gens. Oui, mais j'ai une sale gueule. Je viens de me réveiller, il est 14h du mat. Non, même pas. 11h. 11h du mat. Je prends mon café et puis du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de ménage sur mon disque dur pour me réveiller. Et je suis tombé là-dessus. Je voulais vous faire profiter, quoi. Et je me dis, qu'est-ce que ça fait sur mon disque dur? C'est en train d'allumer mon ordinateur, en fait. Je vous fais écouter, hein, ces collecteurs. Je vous promets, je vais pas mettre pause tous les 30 secondes, parce que tu pourrais. Enfin bref, allez. Enjoy, mec. C'est parti. Considérait que les journalistes étaient devenus des ennemis. Parce qu'ils ne disaient pas ce que eux voulaient entendre, ou qu'ils ne disaient pas une vérité qui était la leur ou celle qu'ils partageaient sur leurs réseaux sociaux. Preuve, s'il en est toutefois, que toutes les informations ne se valent pas parce qu'elles n'ont pas forcément toutes le statut d'information. Je reviendrai sur ce sujet. Ce qui veut bien dire que quelque part, il faut réguler ou réglementer. Et d'ailleurs, votre profession a toujours vécu dans la régulation ou réglementation, qu'il s'agisse de la liberté elle-même comme du modèle économique. Enlever la régulation, pardon de le dire, il n'y a plus un titre, une chaîne présente qui existe. Et donc ne vous trompez pas à combattre peut-être trop rapidement toute forme de régulation. Historiquement, elle vous a protégé et elle continuera de le faire. Et le sujet que j'évoque est un sujet de protection pour votre profession et la liberté même de la presse, parce que la distinction entre ce qui est de la presse et ce qui n'en est pas. Et donc, il y a eu ces viols. Alors, considérez que les journalistes étaient devenus des ennemis. Donc voilà, vous avez bien compris que ça a été pris sur BFM TV. Hein. Ok, voilà les gens. Ah ouais, on va pas parler des violences de journalistes. Ou de BFM. Non. Allez, je vous laisse mariner là-dessus. Salut les gens.